Un peu comment travailler les huîtres à la japonaise, c'est ça ? Très bien. Et ce sont des huîtres un petit peu spéciales, ouais. Ce sont des huîtres Tsarskaya et ce sont des graines japonaises. Et là, j'aimerais vous présenter aujourd'hui donc, tout simplement une huître crue avec un assaisonnement à base de donc, yuzu. Donc, c'est un petit peu entre le citron et la mandarine. Nous avons cette préparation donc, qui s'appelle le yuzu ponzu. C'est un bouillon à base de bonite séchée et donc ce jus de yuzu. Un accompagnement qui fera le côté vinaigré et acide de la sauce. Ouais, c'est intéressant ça, avec l'huître, j'ai hâte de goûter. Également, alors, ce sera du ravi, les japonais daikon, râpé, avec un mélange de 7 épices japonais légèrement pimentées. C'est vraiment étonnant. On part à la découverte de saveurs là, vraiment inattendues avec l'huître. Il y a un petit côté sucré, il y a un petit côté pimenté, mais juste ce qu'il faut et c'est. Ah non, c'est un vrai plaisir gustatif. Arigato gozaimasu.